La guerre des Windsor continue de faire des dégâts. Officialisée le 19 février dernier, la rupture de Harry et Meghan avec la famille royale britannique impacte non seulement les relations du duc de Sussex avec le reste de sa famille, mais provoque également des différends du côté de son frère aîné, le prince William. Selon une information relayée par le Daily Mail, le duc de Cambridge aurait récemment coupé les ponts avec le journaliste Tom Bradby, avec qui il était ami depuis plus de 20 ans. Selon la source, le duc aurait été profondément déçu par Bradby, qui aurait pris la défense de son frère à la suite du mégoïde. L'amitié entre William et Tom est définitivement terminée, a révélé une source proche de la couronne. Le duc est déçu par Bradby et la manière dont il s'est comporté ces derniers mois. William est une âme sensible, poursuit la source, et il croit en l'idée que les vrais amis se révèlent en temps de crise. Et il paraît juste de dire que Bradby n'a pas été l'un d'entre eux. Toujours selon le Daily Mail, le prince William n'est pas à sa première déception vis-à-vis du journaliste britannique. Déjà en 2019, l'éditorialiste politique avait donné à Harry et Meghan la plateforme pour mettre en lumière leurs premières difficultés au sein de la famille royale, ce que le prince William avait vu d'un très mauvais œil. À l'époque, le cadet de Lady Diana avait notamment révélé avoir pris un chemin différent de celui de son frère, et Meghan Markle avait pour la première fois évoqué sa souffrance face à la pression médiatique. Peu de personnes m'ont demandé si ça allait. Si est-il quelque chose de très intense à traverser dans les coulisses. Si est-il vraiment difficile, avait confié, ému, la duchesse de Sussex. La famille royale remontée contre Tom Bradby et le prince William n'est pas le seul à en vouloir à Tom Bradby. Dans les couloirs de Buckingham Palace, ils seraient nombreux à se plaindre des agissements du journaliste, dont l'allégeance se confirme de plus en plus clairement. Plusieurs membres du staff sont très en colère contre Bradby de par le ton de ses reportages sur It News, qu'ils considèrent très pro-Harry et Meghan, explique la source royale. Tout le monde sait que Bradby communique avec Harry très régulièrement, si est-il très clair pour les conseillers royaux, qui savent comment les choses fonctionnent. Mais si est-il très difficile à accepter de par la longue histoire entre Bradby et William. Très proche du prince William, Tom Bradby avait été personnellement choisi par le duc et la duchesse de Cambridge pour mener l'interview de leurs fiançailles, en 2010. Le journaliste faisait également partie des invités du mariage royal, tenu à Westminster Abbey le 29 avril 2011.